Bonjour, bienvenue chez Accès Physio. Je m'appelle Dominique Labelle, physiothérapeute. Et bonjour, je m'appelle Dave, aussi physiothérapeute chez Accès Physio. Aujourd'hui, une capsule sur l'épaule. Donc souvent, en fait, dans les sports overhead, avec la main au-dessus de la tête, par exemple au badminton, une personne peut se plaindre de douleur au niveau de l'épaule. Souvent, cette douleur-là peut être causée en fait par un manque de mobilité au niveau du dos. Parce que quand on lève le bras, quand le bras est en élévation, on veut avoir une certaine mobilité au niveau du dos. Je vais vous montrer sur le squelette ici. Donc, en fait, entre la vertèbre, la 7e cervicale et la 6e thoracique, on aimerait ça avoir du mouvement ici quand on lève le bras. Si on n'a pas assez de mouvement, l'épaule peut coincer et créer de la douleur. En physiothérapie, nous, on utilise certaines techniques pour venir augmenter la mobilité dans le dos pour éviter justement ce type de douleur-là. Donc, toujours consulter un physiothérapeute lorsque vous avez une douleur. Il y a bien sûr d'autres causes de douleur à l'épaule. Des variations anatomiques, des gens qui sont prédisposés à avoir une douleur ou un pincement à l'épaule dû à un espace sous-acromial diminué. Un mauvais contrôle de la scapula, c'est-à-dire de l'omoplate, par manque d'activation de certains muscles comme les trapèzes supérieurs et inférieurs et grand dentelé. Et bien sûr, une diminution de la mobilité d'une articulation par des raideurs dans la capsule articulaire. Les mouvements répétés de décélération du bras, comme lancer une balle de façon répétée, peuvent causer des douleurs à l'épaule. En effet, les petits muscles rotateurs externes doivent forcer en fin du lancer pour ralentir le mouvement de rotation interne qui est fait par des muscles plus forts, ce qui peut endommager les rotateurs externes. Entraînement avec mauvaise technique, par exemple au développé couché, c'est-à-dire au bench press. Par traumatisme, ceci pourrait être une chute sur l'épaule ou un joueur de hockey subissant une mise en échec.